Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons réaliser une guidance dans laquelle nous allons découvrir notre avenir immédiat, où nous allons aussi recevoir un conseil de l'univers et enfin accueillir un message bienveillant de notre ange gardien. Pour ce faire, nous serons en compagnie de trois magnifiques oracles, les 77 d'Eliaske, les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et de Brigitte Barberan, et enfin du petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno. Je vous propose maintenant de réfléchir à votre avenir immédiat, de prendre une profonde inspiration et de choisir parmi les deux options qui s'offrent à vous sur votre écran. Vous pouvez choisir un ou même les deux messages, écoutez simplement votre voix intérieure et faites-vous confiance. Vous avez opté pour le message numéro 1 et vous avez reçu les cartes de l'été, du savoir et de la connaissance et le labyrinthe. Profitez de la période estivale pour vous replonger dans les livres et dans la théorie. Inscrivez-vous à une formation, reconsidérez votre niveau de compétence et réfléchissez peut-être aussi à une réorientation professionnelle. Cette remise en question et cette remise à niveau vous permettra de sortir du labyrinthe mental dans lequel vous vous trouvez. En changeant votre routine, en changeant vos plans d'action, vous arriverez à sortir de l'impasse dans laquelle vous vous trouvez et vous serez en mesure de faire évoluer votre existence. Et comme conseil de l'univers, on vous rappelle les mécanismes de la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Souvenez-vous que vous êtes le créateur de votre propre existence et la loi d'attraction est un outil puissant qui vous aidera à déployer vos pleins potentiels. Commencez par vous entourer de choses et des personnes qui vous font du bien. Entretenez des pensées positives et agissez comme si votre but était déjà atteint. Non seulement cela apaisera votre mental, mais cela changera aussi rapidement votre vision du monde et aussi la façon dont le monde vous envisage. Et surtout, chose très importante, saisissez toutes les opportunités qui se présenteront à vous. Ça ira très vite et il ne faudra pas hésiter, surtout si votre intuition vous dit de foncer. Terminons avec ce que l'ange gardien souhaite vous dire. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est « merci ». Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création. Et la création y répond positivement. Vous avez opté pour le message numéro 2 et vous avez reçu les cartes du printemps, la carte non et enfin la carte du choix. J'ai le sentiment qu'en ce moment, toutes les portes semblent se refermer sur vous. Pourtant, vous aviez misé beaucoup sur cette période de votre vie. Vous aviez tout planifié, tout préparé, mais il semblerait que le timing n'y soit pas. Et forcément, de cette situation ressort une énorme frustration de la taille de ce grand non qu'on voit sur la seconde carte. Cependant, tous les espoirs ne semblent pas perdus, puisqu'avec la carte du choix, vous allez très prochainement être face à une nouvelle alternative qui pourrait changer les plans que vous aviez prévus au départ. Peut-être que vous allez devoir prendre un chemin qui semble être une déviation, mais peut-être que ce chemin vous sera plus bénéfique à l'arrivée. Mais pour le savoir, il faudra oser et lâcher prise sur cette notion de contrôle qui vous est chère. On vous donne comme conseil
de vous focaliser sur le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous avez besoin de retrouver la paix de l'esprit et de retrouver votre confiance initiale. Ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas comme vous voulez qu'elles n'arrivent pas. L'univers vous demande d'arrêter de mettre de la pression au niveau de vos pensées. Il vous demande de mettre votre esprit sur pause et de faire le vide. N'oubliez pas que le vide attire le neuf. Vivez chaque jour l'un après l'autre, comme il vient et sans vous projeter davantage. L'univers sait ce dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez plus. Et votre ange gardien a envie de vous parler d'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Cette guidance arrive à son terme. J'espère que cette vidéo vous aura apporté les prémices des réponses que vous attendiez. Je vous souhaite une excellente et belle suite en attendant de vous retrouver très bientôt.